Et salut tout le monde et bienvenue dans le cinquième épisode du Let's Play de Portal 2 sur PC. Donc on se retrouve après avoir amené Wheatley à... Enfin, placé Wheatley aux commandes du centre d'aperçu Science et d'avoir été trahi et on est tombé dans un puits sans fond qui nous a amené dans cette zone... du centre qui semble dater des années 50. Donc bah on va y aller hein. Alors j'espère que cet épisode je pourrai le poster direct après avoir fait le montage de base bien sûr, mais surtout après l'avoir tourné une seule fois hein, pas comme le précédent qui a bien traîné à cause de tout ça hein, à cause de tous ces problèmes que j'ai eu. Donc pour continuer dans cet endroit en fait j'avance ici, mais bon, vous avez vu là. Ah oui d'accord, il manque un bout de barrière. Ok, c'est pour ça que je suis tombé parce qu'il manquait un bout de barrière. Alors je vais donc poser un portail sur ce mur. Et là avec cette porte qui est en sale état, on va pouvoir viser dedans pour tirer un portail. Et voilà. Ah, tirer le levier. Ok, si tu veux. Si vous êtes là, c'est parce que nous voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous patient avec la science? Moi? Ha! Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. Cette voix suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos honoraires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Bien sûr, monsieur Johnson. Sans elle, ce centre s'arrête. Et elle est mignonne comme un cœur en plus. Désolé, messieurs, elle est mariée à la science. Alors oui, je ne dis rien pendant que les personnages interviennent. Hein. Donc apparemment, nous aurons droit au... Parce que GLaDOS n'est plus là, je le rappelle. Hein. Eh ben, c'est pas grave, on aura des messages d'un certain monsieur Kev Johnson. Qui est, comme vous l'avez entendu, vous avez pu le lire éventuellement si vous lisez les sous-titres, qui est également le fondateur de Aperture Science Innovators, l'ancien nom visiblement d'Aperture Science. Donc je dois aller là en face, hein, pour vous dire où je dois aller. Alors pour ce faire, je vais on va mettre un portail sur la... S'il y a moyen, parce que c'est pas évident de viser, voilà comme ça. Ensuite, je vais aller ici, en face de cette zone blanche là, et on va mettre le portail. Allez, c'est parti. Ouais, je préfère le replacer pendant ma chute. Hein, c'est... Chaque jour, on effectue un bon millier de tests sur les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif suivent la ligne bleue sur le sol. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune, vous saurez quand le test commence. Alors on laisse regarder, allez, déjà on a un petit tableau de portrait de monsieur Kev Johnson. Voilà. Puis là je vous montre, hein, voilà, un entrepreneur achète une mine de sel. Kev Johnson. Du Michigan. Intéressant. 1943. Ah, encore un autre nom. Aperture Fixtures. Yeah. Yeah. La patate nationale. Ok, si tu veux. Admettons. Enfin, monsieur, il a des prix, quoi. Il a des prix scientifiques. Hein. Et aussi de rideaux de douche. Donc, apparemment, ces trucs sont des sphères d'enrichissement. Et d'ailleurs, au passage, sphère d'enrichissement, centre d'enrichissement de Perture Science. C'est assez marrant comme analogie. Alors, oui, je peux. Correction, je ne peux pas monter par les escaliers. Parce que j'allais dire que j'avais le choix entre les escaliers et l'ascenseur, bah en fait pas vraiment. Je n'ai pas vraiment le choix. La bonne blague.
Ouais, donc je disais, j'espère de ne pas avoir retourné l'épisode plusieurs fois. Et encore, l'épisode précédent, je n'ai limité ça qu'à 3 tournages. Parce que j'ai eu. Enfin, vous l'avez vu au montage, mais j'ai eu droit à un bug d'audio à un moment du jeu. Ce qui veut dire qu'en fait, en théorie, j'aurais dû retourner une quatrième fois. Mais comme j'avais encore les images du tournage d'avant, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire une fusion entre les deux. Alors, je peux poser un portail là. Mais où est-ce que je mets l'autre? Ah! Ouais, je vais plutôt le mettre en bas, non? Ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, où est-ce que je vais? Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal. Nous vous avons bombardé avec un laser invisible censé transformer le sang en gasoil. Donc c'est la preuve que ça marche. Ouais! Ah! Ah! Allez, j'ai compris pourquoi il y a une surface ici. L'ascenseur. Je dois utiliser l'ascenseur. Donc on va revenir. Je me rappelle. Parce qu'en fait ici l'ascenseur m'a arrêté là. Mais si je redescends d'un étage avec les escaliers, alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser. Hop. Si mes souvenirs sont bons, hein, je descends d'un étage avec les escaliers qui sont encore. Parce que ceux du haut sont encore là. Et vous voyez, il y a une surface blanche au fond. Donc allez, on y va. Geronimo ! C'est tout juste, hein ! Ouais, mais c'est tout juste, sérieux ! La vache ! Ah. Station de pompage Alpha. Alors regardez, c'est tout du bleu, là. Je vous laisse deviner, puisque... Contrôle de la pression du gel. Je vous laisse deviner, Kev Johnson a expliqué il y a 2 minutes de quoi il s'agissait. J'adore. Il faut aller dans l'aperture du passé pour découvrir des nouveautés dans Portal 2. Oui. La suite, c'est pas... Ah. Oui, admettons. Ah non, ça c'est une porte. Je ne peux pas poser un portail sur une porte. Celle-là non plus. Alors là, c'est du... Voilà. Alors ici, il faut aller par là. Oui, il faut monter sur les tuyaux. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. J'ai Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Donc c'est parti. Donc en fait... Pour vous expliquer, on va se plonger dans les circuits de test des années 50. Carrément. Bon, il fait tout noir. Aziz Lumière. Oui, merci. Bon, allons-y. Le premier test porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. Alors ça va. Pour vous expliquer, on va aborder les tests des années 50 avec un générateur de portail moderne. Parce que regardez celui qu'ils avaient, eux. Les testeurs de l'époque, regardez ce qu'ils avaient comme portal gun. Ouais. Je suis bien content d'avoir un truc qui tient dans la main, hein. Alors, nouveauté, le gel répulsif. Donc sa particularité, si je saute dessus, boing, on rebondit. Alors. Alors forcément maintenant ça va, à force de l'avoir fait, je commence à connaître à peu près les énigmes à peu près par cœur. Alors. Alors ça ouvre la porte. Où est le... Ah! Il y a le bouton en face, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire où est le cube, parce que oui, il y aura un cube. On a beau être en 1952, ils avaient déjà des cubes. Et le voilà. Alors oui, les cubes aussi rebondissent sur le gel répulsif. Le gel répulsif, bah ça repousse tout. Donc on remonte. Je pose le cube. Et puis on retourne à la porte.
Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Salle de test suivante. Ouais. Non. Vous inquiétez pas, il y a un moyen alternatif d'entrée. Hein. Vous vous en doutez, hein. On est dans Portal. Hein. Je crois qu'il faut viser là-haut. Si j'orientais pas ma caméra n'importe où, ça irait mieux. Voilà, ici. Hop. Ensuite, c'est par là, je retombe sur l'escalier, je crois. Ouais. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. Ouais, espèce de criminel. Alors, on va attendre que la plateforme vienne en face de... Voilà. On récupère notre copain le cube. Ah, c'est là qu'il faut le mettre. Soit. Comme on peut pas monter directement, on va utiliser le gel. Voilà. Alors, ça fait quoi déjà? Ah, c'est bon, j'ai repéré. Ouais, certes. Oui, je vois l'idée. Il faut monter ici. Et là, en sortant de ce panneau-là, comme on va rebondir de plus haut, on va pouvoir atteindre la suite. Voilà. Alors, regardez. Là, ils ont mis du gel sur les murs. Et ben, si, quand vous avez deux murs face à face avec du gel répulsif dessus. Voilà. Vous rebondissez d'un mur à l'autre, vous n'avez plus qu'à avancer. Voilà. On récupère le cube. Je l'ai vu, j'ai réagi trop tard. J'ai vu le trou, mais j'ai réagi trop tard. Espèce d'andouille. Non, ça va, on reprend de l'œil, il y a un checkpoint. Déjà ça. Non, mais les morts improbables. Non, mais je vous explique, c'est le deuxième endroit du jeu où je ne suis jamais mort. Eh ben voilà, c'est fait. Alors ensuite ça, ouais, ça fait celui-là. J'ai réussi à aller directement sur la plateforme. Voilà. Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. Ouais, super. Super de donner les précautions après coup. Lol. Ouais, donc je disais que le gel répulsif a cette particularité, hein, plus vous sautez de haut pour atterrir dessus, plus il vous fera rebondir haut. Alors comme ça, le gel serait vivant. Si tu le dis... C'est rassurant. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Ouais. Je suis pas tout à fait du même avis. Bon, alors ici, la structure... on va dire qu'elle a souffert. En même temps, au bout de 50 ans, c'est peut-être normal. Hein. Enfin, 50, même 60 ans, même, devrais-je dire. Je rappelle que le jeu sort en 2011, à la base. Donc si on considère que le jeu se passe dans le présent, ça veut dire qu'il se passe donc en 2011, le jeu. Donc autrement dit, 52, ça fait 49 ans. Alors je peux poser un portail là, j'imagine que je vais en poser un plus haut, il faut juste que je me rappelle où.
Non pas là puisqu'il n'y a pas de plateforme. Où c'est? Ah, là-haut. Eh ben tape. Bien sûr. Ah oui. Allez, direct vers la mort. Allez, deuxième mort de l'épisode. Super. Deuxième mort de merde, je précise. Oh là là, la bonne blague. Chou du coup. Je vais mettre plus à gauche, comme ça je vais pas tomber. Voilà. Alors ensuite ici. Ah. Ok. Voilà, donc comme ça je pourrais rentrer là. Ah, vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche, c'est cher, non. Alors, ce bouton permet d'avoir du gel répulsif. Ah, et il tombe en continu. Ok, ça peut être pratique éventuellement. Donc ce que je vais faire, c'est hop. Et parce qu'évidemment, je peux faire passer les. Regardez d'ailleurs où il va. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir ici, là. Alors, donc je dois aller jusque là-bas pour la sortie. Ah, j'ai repéré ça là. Ouais, attends. Faire comme ça. Voilà. Bien sûr. Je serais prié quand je déplace le portail de ne pas retomber dans le portail, ça m'arrangerait. Hop. Alors, je vois l'idée, hein. En fait, je vais me servir de la projection du gel. Voilà, ouais, d'accord, il en avait déjà mis. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à me projeter moi-même. Logiquement, ça passe. Je vais rebondir sur le gel. Et j'atteins la sortie. Pour information, le café que nous avons offert contenait du calcium fluorescent pour vous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Ouais. Bon, je suppose que c'est encore un truc censé pas nous rassurer. Le problème, c'est que n'étant pas un scientifique pur et dur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler-7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Bon. Je pense qu'on n'a pas tous la même notion du mot minuscule. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Alors ici on a du gel répulsif comme d'habitude. Bon, ça vous posez pas de questions. C'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Voilà. Alors, on va encore faire des projections. Alors le truc qui m'embête, c'est que je crois que si je mets ça, oui, ça envoie le gel là où il y a l'eau. Le problème, c'est que l'eau, enfin, lave entre guillemets le gel, donc, je suis un peu ennuyé. Ah, par contre, je viens de repérer ça. Voilà, c'est ça que je dois faire. Hop. Ah merde. Ah non, c'est bon. Voilà, donc en fait, le bouton, si mes souvenirs sont bons, il va désactiver l'eau pendant une fraction de seconde. Ah non, si je saute trop près du mur, je suis propulsé en arrière. C'est exactement ce que j'avais prévu. Franchement, il panique pour un rien.
Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille, et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Ouais, loul. Regardez, il y a un avertissement du même genre, là. Si un vous venu du futur vous avertit sur... au sujet de ce test, ne l'écoutez pas! Ouais. Bon, alors maintenant que j'ai mis du gel sur le mur là, je dois faire une projection. Voilà, c'est exactement ce que j'avais prévu. Hop, non, pas trop vite. Voilà. Ah, c'est marrant ici, il y a une mention de gel, mais la flèche est blanche. Alors, ensuite, c'est par. Ouais, d'accord. Parce que j'ai vu la planche ici, enfin la plaque ici, je l'ai vue, je l'ai remarqué. Mais oui, il en faut une deuxième. Ah bah d'accord. En fait, je peux venir ici directement. Mes souvenirs sont bons, il me semble que je dois récupérer du gel, non? Parce qu'il me semble... Oui, voilà. Là, on peut voir l'endroit où se projette le... C'est pas pour rien. Si on peut remettre un portail là, c'est pas pour rien. Mais l'ennui, c'est que le gel, faut le mettre où? Je crois que je sais... Attends. Il faut pas le mettre genre là ou... Hey, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hey. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir faire la projection avec ici. Donc le portail orange... Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ensuite, je pense qu'il faut remonter ici. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est ça. Il va juste falloir que je saute. Je m'aligne bien. Hop. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre deux tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction crainte. Sans être psy... Venant d'une bande d'athéos pas foutus d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux? Ça me ferait mal. Vous, vous avez la niaque, ça me plaît. Activez un peu, ça sera parfait. Oui, je laisse les messages de Kev Johnson se diffuser. Alors donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est pour ça que j'ai posé un premier portail sous le gel répulsif. Il va falloir récupérer ce cube qui est enfermé dans cette espèce de cage en verre. Hein. Voilà. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est le badigeonner un petit peu de gel répulsif. Alors maintenant, la blague, il va falloir l'attraper. Ah bah voilà, c'est fait. Bon, on ne peut pas le poser. Hein. Si je le pose, il se remettra à rebondir dans tous les sens. Hein. Donc il faut d'abord le nettoyer. Oui, on fait un lavage instantané ici. Voilà. Hein. Maintenant, je peux le poser comme je veux. Donc, vous doutez bien d'où est-ce que je vais le poser. Hein. Sur notre grand copain de bouton. Ce qui fait descendre cet ascenseur. Alors, donc pour monter sur l'ascenseur, je vais devoir remettre du gel répulsif par terre. On va poser un portail là. Puis tout de suite ici. C'est suffisant? Ah ouais, y en a assez. Alors, maintenant pour remonter, il faut que j'enlève le cube du bouton. Solution? Le faire rebondir à nouveau dans tous les sens. Voilà. Conscience, la bonne question, ce n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Oui, la science est souvent dangereuse. Et alors? Si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfants. En tout cas, vous êtes viré. Non, pas vous, le cobaye. Oui, vous. Vos clics, vos claques, casse départ. Ne touchez pas 1000 francs, ciao. Oh, la référence au Monopoly. 20 000 francs, c'est vieux quand même. Cela dit, c'est censé avoir été enregistré dans les années 50, donc c'est logique en fait. En fait, c'est logique qu'il parle en francs.
C'est hyper logique, puisque je rappelle que nous sommes en euros depuis 2002. Félicitations. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science, je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. Dites bye bye Caroline. Bye bye Caroline. Oula. Une perle, cette fille. Ouais, une perle, mais pour quelle raison? Pour quelle raison Caroline est-elle une perle? Alors, oui, c'est la sortie. Mais oui, mais elle est bloquée, la sortie. Comment je fais? 4000 mètres? On a déjà remonté de quoi? Je crois qu'on était descendu à 4500 à peu près. Je sais plus. Les graduations étaient marquées dans le puits quand on chutait. Si vous voulez, vous pouvez retourner voir. Alors évidemment, vu qu'on peut pas passer par là, il faut que je passe par un chemin détourné. Il faut juste que je me rappelle, il est où le chemin détourné? Alors déjà, il y a un portail à poser là. Ça, je m'en souviens très bien. Ah, là-bas. Hop. Allez. Donc voici notre sortie alternative. Alors on a quand même bien avancé, c'est qu'en fait on est déjà dans la deuxième partie de l'ancienne Aperture Science. Ça va super vite en fait quand tu connais bien. Regardez, là on a le gel bleu qu'on connaît déjà et là on a un nouveau gel qui tire sur l'orange. Oui, je sais, j'ai longtemps dit gel rouge, mais c'est vrai que bon, c'est plutôt orange quand même. Alors j'ai mis un. Il faut jouer des projections, ça je m'en souviens. Et il faut le faire avec les deux portails. Oui, ok, c'est quoi ce bug? Je sais qu'il faut que je rebondisse assez haut pour poser un portail. Attends. Attends, je. Non, ça c'est. Ah, c'est ici. Il faut que je pose le bleu une fois que j'aurai fait une. Ouh, je l'ai posé à temps. Je l'ai posé juste à temps le portail. Ah, c'est normal que la porte ne s'ouvre pas. Ah, faut peut-être aller là avant. Oui. Voilà, donc là on avait un contrôle de gel bleu et un contrôle de gel orange. Donc station de pompage bêta. Et la porte s'ouvre et on peut continuer. Ah, salle de contrôle là-haut. Donc là, il va y avoir quelques petites choses à découvrir par ici. Je vais faire ça et je pense qu'après, on arrêtera... Enfin, je vais faire cet endroit et je pense qu'après, on arrêtera là-dessus pour cet épisode. Mes hommages, je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Alors, prenez bien en compte tout ce que Monsieur Kev Johnson vient de dire. Hein. Ça a son importance dans l'histoire. Alors, vous aurez remarqué qu'on a pas mal avancé dans les années, là, puisque le message préenregistré parlait de 1968. On va y arriver. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquez que le logo de la société est différent et que maintenant, elle s'appelle bel et bien Aperture Science comme dans les temps modernes. Si je peux dire ça comme ça. Alors, je sais qu'il faut que j'aille là. Ah, il y a de quoi faire une projection ici. Donc, je vais monter. Hop. Loul. Mais non.
Mais je suis où? Sans blague, j'ai atterri où là? Ah d'accord. C'est une blague. Sérieusement, je suis retombé? Je suis retombé, faut que je remonte la station de pompage? LOL, la blague. Oh non, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas d'avoir fait ce fail à la con. Attends, y'a pas moyen de... La question c'est ça a sauvegardé où? Parce que je chargeais la dernière sauvegarde, d'accord, mais... J'ai peur de l'endroit où ça va me faire atterrir, hein. Ah! Oh, ça va, j'ai pu ça m'a fait remonter. Ok, bon, on recommence. L'ennui, c'est qu'il va refaire son speech. Pendant ce temps-là, je vais poser les portails. Alors, je vais les mettre plus près de la rambarde, comme ça, je ne tomberai pas. Mes hommages, je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Ah! Black Mesa, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet élan balai que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormez. Alors l'ennui, c'est que je suis obligé d'attendre la fin du speech. Hein. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Oui, donc je le disais, maintenant que nous avons atteint, nous sommes arrivés ici au lieu de retomber dans la zone précédente comme un idiot. Voilà, comme ça, ça sera fait. Hein. Non, franchement, franchement, dans les fails de merde, vous êtes servis là. Donc on va rentrer dans cette salle de contrôle hein, et il va se passer quelque chose d'intéressant sur lequel on terminera l'épisode, comme je le disais. Tiens, bonjour. Hein, bonjour GLaDOS. Ok, GLaDOS, on va t'écouter. Et... Ouais, on va te ramasser. Voilà, je ramasse GLaDOS. Voilà. Donc, en gros, bon, je rappelle qu'on ne peut toujours pas parler. Mais maintenant... Je peux parler? Merci, je peux parler. Donc on vient de passer un petit deal avec GLaDOS hein, qu'on a retrouvé sous sa forme de patate, hein, je rappelle. Hein. Donc nous allons la transporter jusqu'au centre, jusqu'à Wheatley. Hein. Voilà. C'est bien de Wheatley qu'elle parle hein, quand elle dit transportez-moi jusqu'à lui. Hein. Pour refaire le transfert inverse et... sauver les meubles, quoi, si je peux dire. Donc, on va la transporter, on est accroché à notre générateur de portail. Donc là, maintenant que l'ascenseur s'est placé là, comment on y va?
suffit de mettre un portail tout en haut. Comment on y va? Je me pose encore la question de comment on va jusque là. Il suffit de faire une projection de base. Voilà. Et comme je le disais, on va s'arrêter là-dessus. Alors on va attendre que le temps de chargement y passe quand même et qu'on arrive à l'entrée de la zone suivante. Mais je vais arrêter là-dessus. Ça, c'est sûr. Ce qui s'est passé, on le découvrira dans le prochain épisode. Donc vous avez vu que ça sera le début du chapitre suivant d'ailleurs, le chapitre 7. Ce qui est pas plus mal. Donc on va continuer à remonter l'ancienne aperture, en sachant qu'on est dans une zone plus récente que celle qu'on a explorée pendant cet épisode. Puisque pendant cet épisode on a fait les années 50 et là on est fin des années 60, peut-être même probablement début des années 70. Au niveau de l'époque où ça a été construit. Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Donc prochain épisode, on continuera à remonter vers la surface. Je vous dis ciao et à la prochaine.